jour. Deux jeunes étudiants de l'école secondaire L'Horizon ont fait une vidéo en vue de participer au concours Zoom Mini. Je m'appelle John Wilson. Moi, John McLean, car je passe tout est clean. Allons regarder un extrait de leur vidéo. Hey, savais-tu, Jordan, qu'il y a beaucoup de minéraux qui nous entourent? Ouais. Ben, par exemple, on en retrouve même dans notre corps. Ouais. Viens, je vais te montrer. Comme dans le potassium, qu'on peut retrouver dans la pierre l'apatite, le potassium est essentiel à équilibrer le pH dans notre sang. Il y a aussi le fer, qu'on peut retrouver dans l'hématite. Le fer est essentiel au transport de l'oxygène et aussi à la formation des globules rouges dans notre sang. Il y a aussi le zinc. Le zinc, on le retrouve dans la sphalérite. Le zinc, lui, aide à la croissance et au développement de l'organisme. Effectivement, il y a aussi le phosphore, tout comme le calcium, qui aide à la formation et au maintien des os et des dents. Aussi, il y a le magnésium présent dans la chrysolite, qui est considéré plutôt comme un antistress naturel. Il y a aussi le sodium présent dans la halite, qui sert au bon maintien de la pression sanguine. Puis comme d'autres minéraux, il y a l'iode, le manganèse, le cuivre, mais aussi non, le calcium est le minéral le plus abondant dans le corps. Bon, bien, je vais te montrer dans quel aliment on peut retrouver tous ces minéraux. Attends. Okay. Premièrement, dans la banane, on peut retrouver du potassium. Dans les produits laitiers, on retrouve une très grande quantité de calcium. Dans les légumes, on retrouve principalement du magnésium. Et pour finir, dans la viande, on retrouve beaucoup de fer. Hey, je viens d'y repenser. On mange pas des minéraux? Ben non, on mange des plantes ou bien des animaux qui mangent des plantes. Et eux, les plantes, avec leurs racines, ils prennent les minéraux dans le sol. Et bien, c'est pour ça qu'on en a dans notre corps, là. Ah, OK. Ah, qu'ils sont bons, ces jeunes, n'est-ce pas, John? Ouais. On devrait leur décerner le premier prix.